Voilà, après le sport, je vous invite à présent à table avec au menu du Babenda, un plat local fait à base de feuilles d'amarante, d'oseille et de poudre d'arachide. Un plat d'origine mouaga des temps de vaches maigres qui est devenu aujourd'hui l'une des identités culinaires nationales. Césaire Carrefour et Mariama Tamboura. C'est une bouchée qui suffit à donner le sourire au petit Nourdine. Du Babenda bien assaisonné avec une sauce tomate. Il est 12h chez sa fille Ilboudo, une vendeuse de Babenda installée devant son domicile. Ici, des clients attendent leur tour de se faire servir un plat. Ouais, j'adore le Babenda, c'est vraiment bon. C'est un plat vraiment africain que j'aime beaucoup. Et dans la semaine, je peux manger ça 5 fois, 6 fois. Hein. Moi, je mange ça pratiquement tous les jours. Ça ne me fait rien. Mes enfants aussi aiment ça. Donc, je quitte loin pour venir payer Babenda de la dame. Parce qu'elle est propre, ici à Tampuy. Quand il est midi, c'est ma nourriture. Je viens ici chaque jour pour payer ça et puis manger. Elle m'aime beaucoup de sauce. Souvent, elle accompagne ça avec la viande, piment. Quand tu manges, c'est dégustant. En tout cas, on aime bien ça. Le Babenda, c'est un plat traditionnel. Comme nous, les Mossi, on l'adore bien. Le Babenda est un mets burkinabé fait à base de feuilles et d'autres ingrédients comme le riz et la poudre d'arachide. La louche est vendue à 50 francs. C'est l'activité principale de cette dame depuis 2011. J'ai commencé à préparer une petite quantité, juste pour 250 francs de feuilles d'amarante et 100 francs de feuilles d'oseille. Je les faisais toute seule, mais aujourd'hui, comme vous le constatez, une seule personne ne peut pas le faire. Autrefois, un mets préparé et consommé pendant la période de soudure, donc réservé aux couches sociales les plus défavorisées, le Babenda est aujourd'hui dans les habitudes alimentaires des Burkinabés, sans exception de classe sociale. Le Babenda, un mets qui marque sa présence dans presque toutes les cérémonies et même dans certaines surfaces. Moi, je travaille à Dori et à chaque fois quand je repars à Dori, je viens me ravitailler parce que c'est simple, c'est naturel. C'est pas trop compliqué, il n'y a pas assez d'ingrédients. Je le préfère comme ça. Et on n'a plus honte de manger, quoi. C'est pas comme avant, on est revenu de la Côte d'Ivoire. Quand on dit Babenda, on se dit non, c'est pour les pauvres. Son histoire est un peu liée à la pauvreté, à cette sécheresse-là. Mais aujourd'hui, non, c'est à la mode. Le Babenda n'est plus une nourriture de pauvres. C'est devenu une affaire d'argent. Moi, je tire d'ailleurs mon épingle du jeu. J'arrive à m'occuper de ma famille avec les revenus générés par l'activité. Et certains consommateurs de lui prêter même des vertus thérapeutiques. Et le Babenda, c'est très bon pour les diabétiques, donc ce qui fait que bon, c'est la seule nourriture à consommer sans modération. Et je vous invite aussi à venir ici et à goûter le Babenda, vous n'allez pas regretter. C'est quelque chose que moi j'apprécie parce que c'est bon pour la santé. C'est à cause de ça que je viens manger ça. Le Babenda national, comme on l'appelle souvent, prend ainsi sa revanche. Plusieurs tribunes, à l'image du mois du consommant local, initié par le gouvernement burkinabé, sont offertes aujourd'hui pour valoriser ce mets traditionnel.